binoba koti boye koyoka korwa par rapport na biso tozalaki na libanda sika tutongi ndako ndako oyo ya bino misato lelo bokota na kati bozala na biso ntango nyonso na ntango ya pasi na ntango ya bisengo pasi ya motu bino nde bosilisaka yango bisengo ya motu bino bato bapesaka ndako bino ya bino nde yango oyo biso bana totongi yango na maboko bopambola yango kuna satana kuta kota te ezali ndako na bino toya kopesa ngo na maboko na bino bopambola biso bopesa biso esengo kimia nde toza kosenga ya mokili mobimba ntango nyonso makila ezali kosopana ya bato sisa makambo wana moto mwindu aniokwami mingi boloko ya moto mwindu 4400 ans bino bayaki korekipere biso yango tobenge te banda lelo ndako efungwami bobosana biso bana na bino te na pamboli kaka tosengi toka nyonso tovandaka mapamboli ezala na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen tosilisi na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen maboko mabeta ma makasi bana papa oye toyoki to toyoki te tosepeli to tosepeli te toyamba maloba mosantu ya motuya na nkombo misato ya bule chers telespectateurs même nos auditeurs qui nous suivent à la radio certainement dans très peu de temps nous allons suivre la cérémonie de coupure de ruban et donc papa vient de se et donc fini l'errance pour ceux qui ne pouvaient pas savoir que aujourd'hui voilà c'est l'effet vous voyez vous êtes en train de vivre en live et en exclusivité le départ du chef spirituel Sadi il se dirige vers l'endroit où il va faire cette cérémonie de la coupure du ruban symbolique. Voilà, le numéro 1 de cette institution religieuse. Sa divinité, Papa Simon Kimangu, bien sûr, devant ce ruban symbolique qui va. Donc, c'est le Foucoumès qui va effectuer cette cérémonie. Il se l'en bien. C'est le Foucoumès de la commune. Et procéder à la coupure de cette riba symbolique. Mais revenons-en à cette cérémonie. Tout au long de cette cérémonie, quelques temps forts ont été en rendez-vous, notamment à chant d'ensemble, prière d'ouverture et enfin la prédication du révérend pasteur communal. Voilà. Voilà, là c'est le bourgmestre qui venait de la commune de Ngiringiri. Voilà, c'est un honneur en présence de sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, qui va incessamment entrer là-dedans pour la bénédiction. Voilà. C'est un peu ça, mais quand cela ne tienne, le signe venait d'être dévoilé. Et Papa entre là-dedans avec quelques autres qui l'accompagnent. Papa est là-dedans parce que d'ici très peu de temps, la cérémonie va devoir terminer. Sur du ruban symbolique, sur un œil vigilant de notre Dieu, sa divinité, Papa Simon Kimbangu, qui est un chef spirituel et représentant les gars de l'église qui manguissent. De l'autre côté, la fanfare qui manguisse est en train d'agrémenter cette belle journée, cette journée haute en couleur, consacrée à une cérémonie inaugurale des saints temples de Niangara, et plus précisément dans la commune de Ngiringiri, Papa Ibrahim Muntu. Merci.
Voilà, on s'achemine tout doucement vers la fin de cette cérémonie. Mais immédiatement après cette cérémonie dans le temple, papa va devoir couper les rubans dans deux différents bureaux. Il s'agit bien entendu du bureau de la chorale de Jeteki et celui de la chorale de dirigeants. Papa Zouzi, actuellement nous avons de très beaux temples saints comme vous l'avez dit tantôt, ici dans la ville province de Kinshasa. Mais c'est la photocopie du temple de Kamba bien entendu. Oui, c'est bien sûr, c'est la photocopie du Saint-Temple d'Inkamba à Nouvelle-Jérusalem, car tous les temples disséminés à travers le monde suivent le modèle et de la colline sainte d'Inkamba à Nouvelle-Jérusalem, car tout a été tracé en 1921 lors de l'arrestation de Papa Simon Kimbangu. Papa Simon Kimbangu, avant qu'il puisse s'acheminer vers, pour aller à Inkamba de Matangungu à Kinshasa, il avait intercalé les colons pour pouvoir tracer ce programme, tout en disant que je ne pouvais pas quitter Mbandagou pour aller à Kinshasa si je ne rencontre pas mes trois fils. Il s'agit bel et bien de Papa Kisoloke Lukelo, Daniel Charlet, Papa Delunga Nakiangani Salomon et Papa Diangena Koutima, effectivement, et également sa femme, Maman Mouilou Kiawanga Nzitani. Et ils ont tracé comment l'église Kimbangi s'est développée et comment est-ce que Papa Simon, Papa Diangena Koutima va prendre le bateau de commandement, et car c'est lui qui sera le bâtisseur de l'église Kimbangi. C'est grâce à lui qu'on a implanté l'église Kimbangi. On est en train de vivre l'église Kimbangi dans tous les coins et recoins du monde. Mais une chose à signaler, effectuer son entrée dans le Saint-Temple pour pouvoir purifier et implanter tout ce qu'on a dit, toutes leurs puissances célestes seront maintenant implantées dans ce temple. Je ne sais pas si vous avez encore une chose à rebâcher là-dessus. Oui, bien entendu. Lors de sa prière, lors de son message, il a même dit que dans ce temple, il n'y aura que les saints qui ont droit au chapitre. Tous ceux qui viennent avec les esprits maléfiques n'ont pas droit au chapitre dans ce saint temple. Et donc, c'est un lieu saint qui, juste pour l'encadrement des fidèles, de la jeunesse, pour le sali. Voilà, le temple est dévoilé, chers téléspectateurs. Ce n'est plus un secret. Le bijou est dévoilé, comme vous le constatez dans vos petits écrans. Papa Ndouzi, c'est un honneur pour l'église kimbanguiste qui, jadis, prier dans le mandalala, mais aujourd'hui nous avons de très beaux temples saints. Oui, bien sûr.